Salut à tous. Bon, on sait pas comment s'appelle. Salut. La chaîne. La chaîne qui n'a pas de nom. La chaîne des Ferrari. Ouais, c'est vraiment original, bravo. La chaîne des Porsche, à toi. La chaîne des Plouks. Deux Plouks en Ferrari. Ouais, ça c'est pas mal quand même. Non. Non. Parce qu'on a d'autres voitures que des Ferrari. Ouais, mais bon, deux Plouks en hypercar. Sauf qu'on n'a pas d'hypercar. Voilà, bah, c'est pas grave. Comme ça, c'est pour l'avenir. Non, mais Plouks, ça fait genre on a 70 ans. Ouais, mais sûrement, c'est marrant. Non. Non, alors on monte nos voitures d'abord. Ouais, d'accord. Bon, le démarre cette chiotte. Ah, c'est pas mal quand même. C'est assourdissant son truc. Alors voilà, là vous avez Antoine, propriétaire de ceci. Tiens, baisse-toi un peu parce qu'elle est trop basse cette auto. Je pensais prendre une pose un peu naturelle. Prendre une pose un peu chic. Je pensais prendre une pose un peu naturelle comme ça. Ah, c'est pas mal, c'est assez sympa ça. Donc merci David pour cette introduction. Brillante. Donc concrètement, on sait pas encore trop comment va s'appeler la chaîne. Ce qu'on sait, c'est qu'on veut vous montrer un peu ce que c'est que d'avoir des voitures de sport au quotidien. Enfin, au quotidien, régulièrement quoi. On va... Excuse-moi, je suis là. On va plus être dans le concret, on va vous dire quoi. On va plus être dans le concret que dans le vent du rêve. Donc je commence un peu par la Scuderia. Donc 430 Scuderia, 2009. C'est le V8 de la 430 qui a été monté à 510 chevaux avec 470 Nm de couple. Et c'est la dernière boîte séquentielle mono-embrayage de Ferrari. La dernière boîte robotisée mono-embrayage. Donc évidemment c'est moins rapide que les voitures d'après type 458, 488, etc. Néanmoins c'est une voiture qui procure beaucoup de plaisir. Refais cette phrase. Néanmoins c'est une voiture qui procure beaucoup de plaisir parce que il y a un vrai à-coup quand la boîte passe. C'est très mécanique comme sensation, c'est très violent. Il y a des gens qui détestent et moi personnellement j'adore. Donc voilà pour la rapide introduction de la 430 Scuderia. David. Merci. Sois un peu plus détendu, David, s'il te plaît. Fait que voilà. Attends, t'as un nombre de vélos derrière, là, c'est incroyable. Tu peux nous parler de ta 550, s'il te plaît. Je peux vous parler de ma 550. Donc 550 Maranello de 98, qui marquait un peu le retour au V12 avant de Ferrari, à la 456 et la 550, qui sont sortis à peu près à ce moment-là, en 96, je crois. Peut-être un peu avant. Et qui sont venus en remplacement de 512 TR. Superbe. Qui était donc un V12 arrière, mais ça se vendait mal à cette époque-là. Ils ont excuse-moi, c'était pas un 12 à plat? Bon, c'est un 12 cylindres. Bon. Le V est plus ou moins écrasé. Je vais recommencer cette phrase. Donc la 550 Maranello qui rentre. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais bon. Restons naturel. On n'y connaît rien, en bagnole. Mais donc voilà, celle-là de 98, V12 avant, 485 chevaux. 568 Nm de couple apparemment exactement. Est-ce qu'on arrondirait à 570? On va pas se le permettre, mais je pense le Dimat, pour notre Dimat. Non, je qui risque pas. D'être de pinailler. Mais je pense qu'on les passera au banc. Ah oui, oui, oui. Et on verra ce qu'elles sortent. Et à mon avis, le passage au banc, le passage au banc va être. Excuse-moi, tu caches ma voiture en fait là. Bah ouais, mais c'est quand même beaucoup plus beau cette blouse. Non, voilà, donc qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? C'est une des dernières. Tu l'as depuis combien de temps? Elle est grosso modo 6 mois, un tout petit peu plus de 6 mois. À qui tu l'as acheté? Elle m'a été vendue par la personne qui est derrière l'objectif que vous ne voyez pas, donc voilà, que vous connaissez sans doute. C'est plus ou moins la dernière qui a. En tout cas, c'est la dernière qui n'a que la boîte manuelle comme possibilité, puisqu'après elle a été remplacée par la 575 qui a la boîte F1. Hein. Et quelques boîtes manuelles. Et quelques boîtes manuelles, mais qui étaient donc en option à ce moment-là, qui sont très rares. Tu sais qu'il y a des 5,99 en boîte méca aussi. Hein. Ouais, non, mais c'est possible, mais c'est juste que ça se fait. Ouais, c'était beaucoup, très très rare. Fiction. Alors que là, il n'y avait pas le choix. Donc, bon, je pense que je trouve ça plus sympa. Ça va bien avec l'époque. Bah oui, bien sûr. Mais ça, c'est assez marrant. Le moteur est à la fois doux et brutal. C'est beau ce que tu dis, David. Ouais. Tu nous montres le moteur, David? Je vais vous le montrer. Magnifique. Voilà la bête. Dans un état absolument remarquable. Je pense que ça pourrait être pire, hein. Il est plutôt. Non, mais il est vachement propre, t'es malade, ouais, attends. Ouais, je m'attendais pas. Il est fou ce mec. Un peu de poussière devant, mais. Je lui vends une merveille et il va me dire que ah c'est. Bah, une merveille, regardez. Oui, non, mais bon. Ouais. Ça va. Ça, c'est beau, ça.
regardez-moi ça. Ça va, ça va. Il est allé jusqu'où ce joint? Il touche par terre là. Il va se prendre, moi. Franchement. Il va se prendre dans une. Non, bah là, donc, dans une turbine. Le V12 5 litres 5, bon bah c'est. Bon, de toute façon, Ferrari a continué, hein, donc c'était les premières où ils sont passés au V12 avant, ils continuent depuis. Avec la dernière, la 812 super fast. Mais c'est le même principe, un gros V12 devant, c'est beau. C'est beau. Bon, nous voilà à l'intérieur de, l'intérieur de la Maranello. De ta belle auto. On va se déséquiper un petit peu en termes d'écharpe. C'est pas mal derrière, tu peux mettre 2-3 sacs poubelles. Ouais, non, honnêtement, on peut. C'est l'avantage de la Maranello. Hein, c'est... Tu peux charger 2-3 merdes. Ça reste quand même, bon, évidemment, c'est 2 places, mais il y a un coffre qui est, bon, sans être immense, raisonnable. Et puis là, tu peux rajouter des valises. Alors, il y a un set de bagages hein, qui venait avec à l'époque. 30 000 euros. J'essaie d'en trouver un sur internet, mais c'est introuvable. Ouais. J'en trouve, mais jamais dans la bonne couleur. Et ça doit pas être donné, je pense. Ouais, non, mais c'est pas. C'est genre 2-3 000, je crois. Ouais, quand même, quoi. Ouais, bah c'est un petit investissement que je ferais probablement pas, même si j'en trouvais un, mais bon, tu je cherche. Vous avez la boîte en H, ouais, évidemment, ça, classique Ferrari, alors qui sont plus des boîtes inversées, hein, elles étaient inversées pendant longtemps, enfin inversées par rapport à ce qui est le classique, en tout cas pour nous. C'est-à-dire la première, première en bas. Là, c'est une boîte normale, entre guillemets. Ça te permet de réussir à la conduire. C'est quand même sympa. Alors ouais, la boîte est super agréable. Après une demi-heure à peu près de chauffe. Par contre, la première demi-heure, il n'y a pas de seconde. Ouais. Donc comme la voiture a énormément de couple, c'est pas un problème. Ça roule très bien en première, troisième. Mais elle est vraiment dure quand elle est froide. Par contre, après quand elle est chaude, c'est un bonheur. Ça fait des... il y a le petit bruit de clic métallique qu'ont toutes les Ferrari. Il y a un écran. Attends, je vais ouvrir la porte parce que ça, c'est rigolo. Regardez ce bel écran LCD d'époque. Ouais, ça c'est magnifique ça. Ça bip, hein, c'est normal. Ça marche plus, ça c'est 3000. Ok, est-ce qu'on parle du sujet qui fâche, David? Bah oui. Je pensais que tu parlais de l'essence. Bah non. Qui est un gros problème quand même. Bah c'est pas un sujet qui fâche. Ah, c'est la jauge, non mais la qualité de jauge. Ah oui, non, alors non, mais ça c'est général à Ferrari. Non, non, alors ça voilà, c'est vrai que sur Ferrari, donc il y a un truc qui arrive sur toutes les Maranello, hein, que Antoine était en train de filmer, c'est qu'il y a des petits cuirs qui se décollent. C'est pas très joli. Ça se refait bien, hein, mais poste d'origine Ferrari, ouais. Radio cassette. Alors je crois que le lecteur cassette marche plus. Hein. J'ai testé, j'arrive pas à le faire marcher. C'est dommage. Si, par si, contre, bah, on l'a fait réparer. Bah je sais pas, parce que j'ai la cassette MP3 là. Et ça non, mais pas. MP3 ça marche peut-être pas, mais une cassette classique. Cassette normale, j'ai pas essayé, j'en ai plus. Par contre, il y a un chargeur 6 CD dans le coffre, donc c'est bien tout parce que ça enlève 10% de la capacité du coffre, hein, évidemment. Mais bon. Donc c'est quand même pas mal, ouais, les sièges sont très beaux. Attends, je vais essayer de filmer les sièges. Ouais, les sièges, bah de toute façon j'ai des plans, on les mettra, mais les sièges sont très beaux. Ah t'as les... bon ouais, bah les ça sièges, j'ai pas besoin non, de les sièges mon... sont très beaux, honnêtement c'est très confortable. Pas besoin de bouger mon gros cul. C'est une bagnole qui se conduit vraiment, si on veut la conduire tranquille, facile sur l'autoroute, ça roule très bien, ça fait pas trop de bruit, elle est pas en échappement d'origine, donc ça fait quand même un peu de bruit. Elle a un tubi. Mais ça se... Elle a un tubi. Mais bon, il y a beaucoup de résonance vers 2000 tours minute, après quand on roule tranquille, c'est utilisable, je dirais peut-être pas en daily, parce que ça coûte une fortune. C'est pas du tout utilisable en daily. Mais par contre, c'est utilisable pour tout type de trajet, c'est-à-dire que même dans les embouteillages, ça surchauffe pas. D'ailleurs, on ira probablement à Ikea faire quelques courses. Ah ouais, ça c'est sûr. C'est absolument qu'on y aille. Non, c'est voilà, une belle auto. Hein. Et effectivement, jauge d'essence pas précise du tout. Mais c'est vrai, comme sur toutes les Ferrari. Sur toutes les Ferrari et la consommation. Sur toutes les Ferrari, je sais pas, mais. Les Ferrari que j'ai eu en tout cas. La consommation est délirante et en fait je pense que 20% de la consommation ça vient de l'essence qui s'évapore hein, puisque ça pue l'essence quand vous roulez fenêtre ouverte comme aussi toutes les anciennes Ferrari. Je sais pas si elles le font toutes, mais la Maranello c'est connu en tout cas. Il y en a pas mal qui le font quand même et c'est assez sympa. C'est... Bon, j'ai trop chaud David. Ouais, bah ouais, on va passer à la Scoot. On va passer à la Scoot. Ok, c'est bon. Bon, on est à l'intérieur de la Scoot cette fois. Voilà. Petite. Attends, et il y a un truc marrant à dire avec ça. Champion du monde 2008. 2008, ouais, bah justement, sur ma Stradale que j'avais avant, je crois qu'ils mettaient toutes les ah ouais, genre, je m'en rappelle, genre 2000, 2001, enfin, je sais plus exactement, mais ils mettaient genre 4-5 dates qui suivaient. Puis comme il y a eu un petit trou pendant assez longtemps, finalement, là, ils ont que écrit 2008, ils ont pas ils ont du parlé, coup, sur les 488 pistas, ils mettent rien. T'as un bout, quand t'as un bout de carton sur la pista, quoi. Donc l'intérieur de la Scoot, donc ce qui est cool sur la Scoot, c'est vraiment l'esprit de la voiture, c'est super typé piste, il y a vraiment une atmosphère ouais, c'est vrai que c'est hyper agréable partout, quoi. Donc il y a beaucoup de carbone, il n'y a aucune insonorisation, donc il n'y a aucun tapis. Donc déjà la voiture, ça la rend très vivante, quoi. On entend tout, on la sent vraiment. Beaucoup de carbone comme on disait. Ensuite, c'était des options sur la Scoot derrière, mais elles l'ont très souvent, les harnais, ça rajoute quand même une petite, soit une touche cake, soit une touche piste qui est sympa, ça dépend. Moi personnellement j'adore, parce que je suis un peu un cake. Et c'est assez agréable à porter en plus. On, voilà,
voilà, c'est pas pourri. Après, moi, ce que j'adore dans celle-là, c'est les surpiqûres jaunes, qu'il y a un peu partout. Volant, sur les sièges. Volant, siège, même sur l'arceau, tu vois, ils font vraiment bien les choses. C'est sympa. Et sur les... L'arceau aussi est en option. Donc voilà, les deux options que moi je voulais vraiment, c'était surtout ça, c'était l'arceau et l'harnais. Donc voilà, les baquets sont assez sympas aussi, on est bien maintenu. Après, clairement, voilà, c'est assez rigide quoi, comme voiture, c'est pas utilisable au quotidien, faut vraiment vouloir pour utiliser une scoot au quotidien. Ça passe nulle part, c'est très large, c'est très bas. C'est vraiment rigide, hein. Le moins de petites aspérités dans la rue, on la sent sur la route. Les nids de poule, c'est ma terreur. Donc voilà, écoutez, je vous propose de faire un petit tour. J'aimerais bien vous montrer juste la boîte à gants avant de faire un petit tour. Voilà. Monte un peu le compteur, je peux monter le compteur. Regarde comme c'est beau. Autant vous dire que pour rouler, pour être sûr qu'on reste à 50. Quand on est, pour rester à moins de 50 en ville, c'est à peu près approximatif. Autant quand on est à 330, on le voit bien. Effectivement. Ah bah ça ferme là. T'es vraiment un gros quoi. Donc sur les 430 et les bon, Scuderia du coup évidemment, c'était les premières Ferrari où ils mettaient sur le volant des trucs un peu sympas. Donc c'est l'apparition du Magnetino qui permet d'avoir les différents modes sport. Donc race, ensuite on commence à désactiver les aides, mais donc race, sport et route mouillée. Globalement, la plupart des gens roulent tout le temps en race parce que c'est là où la voiture est le plus réactive et le plus sympa à conduire. Et ensuite, c'était aussi les premières fois que Ferrari mettait le bouton Start Engine sur le volant. Donc voilà. Alors normalement, cette Scuderia là était vendu sans poste, sans radio. Ah oui. Donc là, ça a été mis en seconde monte. Normalement, il y a un gros truc avec écrit Ferrari dessus. En fait, je l'aurais c'est remis. C'est pas si mal fait. Hein. Non, mais je l'aurais remis. Sauf qu'en fait, la caméra de recul qui a été intégrée à la voiture. Ouais, parce que si vous voulez reculer en normal, je vais essayer de le filmer. Voilà. Ah, c'est complexe quand même. Donc, on voit quand même quelque chose, mais pour savoir si on est proche ou pas. Donc du coup, la caméra de recul qui a été mise est tellement bien intégrée au pare-choc. C'est vrai que derrière, on l'a pas. Je vois rien. On montrera. J'ai filmé un peu les pare-chocs. Si tu la vois. C'est vrai que on la voit si on le sait, mais c'est comme si c'était d'origine. Ouais. Donc du coup, je l'ai pas enlevé. Oh là là là. C'est l'enfer. Donc non mais ouais, là je roule pas vite du tout, hein, mais tout de suite c'est voilà. C'est vrai qu'on est à 50. Hein, mais le volume sonore, il y a des valves qui s'ouvrent dans l'échappement en fonction de si j'appuie fort sur l'accélérateur ou pas. Et donc par conséquent. Ça laisse un peu partir ce jeune homme un peu jaune. Non mais il n'y a pas besoin. Enfin, là je suis en troisième, on va se mettre en seconde. Donc si j'accélère, les valves vont s'ouvrir. Voilà. Et donc ça participe parce que la voiture est un peu deux. Et un peu deux aspects quoi, c'est-à-dire qu'elle peut rouler sans faire trop de bruit, et par contre en conduite dynamique elle fait un bruit qui est vachement plus prononcé et c'est quand même très sympa. Donc après il y a possibilité de laisser les valves ouvertes tout le temps. Alors c'est pas d'origine, mais beaucoup de monde monte un petit bouton pour laisser les valves ouvertes tout le temps, donc si je le fais, voilà, là elles sont ouvertes tout le temps les valves. Et donc là c'est pour faire du bruit quoi. C'est pour faire le cake. Mais je vous ai parlé du fait que j'étais un peu un cake. Ça fait du bruit quand même. Ça, bah du coup là ça fait du bruit ouais. Où est-ce que je vais, David ? À gauche, comme le chemin qu'on a fait tout à l'heure. Donc je vais refermer les valves, sinon on s'entend plus. Et là, regardez, on va passer en mode électrique. Vous entendez ? Attention, mode électrique. Voilà, ça marche très bien. Les suspensions sont un peu raides. Non, c'est vrai. Ça fait partie du plaisir de la voiture. Alors, petite. C'est une pistard. Il y a un truc intéressant à dire. Sur la Strada, là, que j'avais une Strada avant. Si vous allez sur notre Instagram, mais comme j'ai pas le nom de David le mettra. On le mettra en incrustation dès qu'on aura trouvé. Comme j'ai pas le nom d'Instagram, je sais pas vous le dire. On mettra les photos des anciennes voitures qu'on a eues, etc. Donc j'ai eu une Stradale. Et en fait la Stradale, on pouvait pas décorréler le mode race de la fermeté des suspensions. Et du coup on pouvait pas la conduire en mode très sportif sans que les suspensions soient vraiment très très, très dures. Et ça la rendait inconduisible sur les petites routes de campagne. Et donc là, l'histoire dit que pendant le développement de la Scud, Michael Schumacher a exigé qu'on ajoute ce bouton-là, qui permet en fait de lester en mode race et d'assouplir les suspensions. On va essayer de ne pas se manger la nacelle à côté.
En général, les gens comprennent bien. Mon Dieu. J'ai la gauche là-bas. Ouais. Là, vous avez entendu un passage de rapport. Donc c'est évidemment moins rapide que ce qui se fait maintenant. Mais le coup est hyper sympa. Ça reste, très dynamique. Et c'est hyper. Enfin, ça reste très très rapide, honnêtement. Beaucoup plus rapide qu'un passage à la main, dans tous les cas. Donc on est un peu ballotté. Est-ce que t'es un peu ballotté, David ? Je vais vomir mon 4 heures que je n'ai pas mangé. Alors ce qui est sympa, je vais juste un petit aparté, donc quand vous êtes strappé dans la voiture, encore je me suis pas serré mais je vais me serrer un peu plus pour vous montrer le truc. Vous avez la clim qui vous souffle dessus, vous dites bah je vais la dévier, je vais la fermer, bah non en fait. Ah putain, bah, si j'y arrive. C'est bon, je l'ai. On va bientôt retomber sur la 550. Ouais, on a fini notre petit tour du pâté de maison. Qu'est-ce qu'on fait comme conclusion, David? Bah écoute, je crois que la conclusion, on dit abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous aimez le nom, mettez un pouce bleu. Sinon, si vous n'aimez pas le nom, mettez quand même un pouce bleu. Et puis. Non, mais bon, on va essayer de revenir régulièrement. Une vidéo par mois peut-être. Ouais, on verra qu'on a. On va voir comment on s'organise. Et d'essayer de faire un peu de temps. De montrer un peu des. On va essayer de monter un peu des choses différentes. Voilà, vraiment utiliser les voitures régulièrement. Essayer d'interroger des gens qui savent aussi un peu de quoi ils parlent, pas que des cakes comme nous. Faire découvrir des trucs, c'est intéressant, moi on l'espère. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, David ? Non, bah, je crois que c'est ça. Il faut aussi que vous alliez sur Instagram, donc le nom s'affichera en bas dès qu'on l'aura trouvé. On va essayer de poster des. On a des photos sympas quand même. Qu'on a prises pendant toutes ces années. À vous partager. Amateur de belles automobiles, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à bientôt, tout simplement. Ouais. Mais approche-toi peut-être de moi, non, pour qu'on t'entende. Mais tu veux pas toi t'approcher de moi? Bah non, parce que moi je cadre la voiture en fait. Donc ouais, mais si je m'approche de toi. Oui. Si je m'approche de toi, je vais avoir une trop grosse tête. Si je m'approche de toi, je vais avoir une trop grosse tête. David, mars 2020.